All power to the people. 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 Merci à Auria de nous faire le plaisir et l'honneur de sa présence aujourd'hui. Merci au Piano Fabrique et à Samira de nous accueillir, comme très souvent, dans de super conditions en plus. Alors, il paraît que le chauffeur de taxi qui m'a ramené ici m'a dit qu'on était la ville la plus chaude d'Europe aujourd'hui. Je pense que ça a un lien avec, avec la présence d'Auria. Auria, donc, l'autrice de ce petit livre rouge, qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire ». Ce livre a un peu moins de 2 mois et il a déjà provoqué moult réactions dans tous les sens et de nombreuses polémiques. Alors il a eu le droit à un passage « Ce soir ou jamais » que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Il a provoqué, donc, dans cette émission, il y avait un intellectuel de gauche, Guénolé, qui a fait un procès inique sur le plateau à Auria, ce que j'ai trouvé totalement dégueulasse et tout à fait injuste. Et je crois qu'il ne doit pas être très fier de voir ses propos repris sans aucun commentaire sur le site de Soral, par exemple. C'est inquiétant de voir des points communs entre des gens qui sont censés être totalement différents. Donc certains qui sont censés être nos alliés, la gauche, et d'autres qui sont clairement nos ennemis, même pas nos adversaires, c'est l'extrême droite. On a vu des réactions aussi de Marianne, de Sergé, qui a fait 17 pages de réactions, un truc incroyable. C'est plein de contes vérités. Segré. Pardon ? Segré. Yvan Segré. Ah, Segré, moi je l'appelle Sergé. On a vu Marianne aussi. On a vu des réactions plus ouvertes et intellectuellement plus honnêtes, comme celle de René Manza sur le site de Contretemps que j'ai lu. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un dont on nie l'existence politique à la base. On dit qu'elle n'existe pas, mais elle est bien là. Et son livre est là. Et les réactions sont là aussi. Alors ma première question, elle se rapporte au titre. Les Blancs, les Juifs et nous, à cette partie-là. Pourquoi des majuscules à blanc et juif et pas à nous? Est-ce que... Voilà, c'est ma première question. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là par cette belle journée ensoleillée. Je me suis dit qu'on n'aurait personne. Vous avez le bon choix. Merci au Piano Fabrique, merci aux Panthères de Bruxelles pour cette invitation et merci de leur solidarité, merci de leur amitié et de leur fidélité en quelque sorte, parce que ça fait quand même de longues années qu'on travaille avec... avant c'était Égalité. Ouais. Il y a donc avec des membres aujourd'hui d'Égalité que sont Nordine Rémy, toi et un certain nombre de militants issus de l'histoire coloniale. Et qui essaye d'incarner la lutte des colonels ici à Bruxelles, même si je sais que c'est extrêmement compliqué. Les Blancs, les Juifs et nous, pourquoi pas de majuscules à nous? C'est une question d'orthographe. Il n'y a rien d'autre. Blancs et Juifs en français, ça prend des majuscules. Okay. Comme portugais, comme algérien, comme noir, quand on parle de catégorie. Nous, non. C'est tout.
il n'y a rien, il n'y a aucune autre explication. Si ce n'est une explication orthographique. Voilà. Parfait. Donc un cours de français par une parisienne, c'est très bien. Alors, moi, Sartre, j'ai lu des choses quand j'étais ado, mais je ne suis pas un expert de Sartre. Par contre, je sais que c'est un monstre sacré dans la culture française. Et tu t'y attaques, tu t'y attaques dans les deux sens du terme, donc tu l'utilises dans ton livre pour lui faire un reproche, c'est-à-dire le reproche de ne pas aller au bout de sa logique anticoloniale parce qu'il soutient le sionisme en Israël. Et ça, c'est une chose que moi, dans ma petite expérience privée, j'ai pas d'expérience publique, mais avec des amis, avec des connaissances blanches. J'imagine qu'aujourd'hui, ici, on ne va pas faire un cours sur blanc, c'est pas une couleur, c'est une catégorie sociale, etc. Donc, je ne vais pas expliquer tout ça. Mais ils atteignent toujours une limite. Ils sont d'accord pour lutter contre le racisme, ils sont d'accord pour essayer de comprendre ce qu'on vit, ils sont d'accord pour reconnaître qu'on subit des injustices, mais il y a très souvent, quasi toujours, on atteint un point où on a un désaccord parce que pour une raison de méthode, ou pour une raison de ressenti, ou pour une raison ou l'autre, parce que, en fait, moi je pense que c'est parce qu'ils ne peuvent simplement pas comprendre jusqu'au bout ce qu'on vit, comme un homme. Je vais souvent faire des métaphores pour comparer, mais c'est comme un homme qui serait sage-femme, bah, il s'y connaîtrait en grossesse, il se connaîtrait en accouchement, mais il ne peut jamais savoir ce que c'est d'être enceinte et d'accoucher. Voilà. Et donc Sartre, j'ai l'impression qu'il est dans cette position-là que tu le mets, de l'allié qui n'arrive pas à aller au bout de l'alliance avec lui. Bah, comme tu le dis, effectivement, Sartre est un monstre sacré, mais il est sacré sûrement pour le Mont Blanc, et sûrement pour beaucoup d'indigènes. Pour des indigènes décoloniaux, comme les indigènes de la République, qui sont en rupture avec la gauche blanche notamment, mais qui sont en rupture politique avec, avec la blanchité, au sens le plus fort du terme, eh bien, en ce qui nous concerne, on a un rapport critique avec tout ce qui vient de la blanchité. Ça, c'est la première. Ça, c'est une démarche qui, pour moi, est une démarche de libération. Il faut mettre fin à une forme d'aliénation, quelle qu'elle soit. Et là, en rapport effectivement avec le Mont Blanc, nous avons décidé une rupture qui a commencé en 2005 avec l'appel des indigènes de la République, et nous la poursuivons. Donc, le rapport avec Sartre est nécessairement un rapport critique. Or, Sartre est effectivement un ami. Aujourd'hui, on rêverait d'avoir des Sartres, évidemment, qui s'est déclaré porteur de valise pour le FLN, qui a épousé la lutte anticoloniale de manière absolument radicale. On n'a rien à lui reprocher de ce point de vue-là. Il a épousé la lutte des Noirs aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il a été une belle figure de l'anticolonialisme. Et pourtant, avec un angle mort. Et l'angle mort, c'est celui du sionisme, c'est celui de la cause d'Israël, dont je ne pense pas que ce soit réellement une adhésion dont je pense qu'il faut aller chercher les raisons profondes de cette adhésion au sionisme. Et j'explique dans mon livre que cette adhésion au sionisme, en réalité, c'est une manière de sauver l'âme blanche. Les Occidentaux, les Européens et notamment les Français ont soit collaboré au génocide des Juifs, soit ont participé directement. Donc les Allemands et les Européens. C'est un problème politique et historique européen. Et j'ai le sentiment que Sartre a voulu le solder de la manière la plus simple possible, en offrant en quelque sorte, en sauvant l'âme blanche, c'est-à-dire on a quelque chose à se reprocher, aidons les Juifs à s'en sortir, sauf que ça se fait sur le dos des Palestiniens et du monde arabe. Donc cette préoccupation qui consiste quelque part à sauver l'humanisme blanc, eh bien, c'est une. Est passée outre le fait d'abord de sauver les peuples colonisés et de sauver les Juifs, hein, au sens premier du terme. Les Juifs ont été persécutés en Europe, il s'agit de repenser, refonder qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que sont les nations européennes, à quoi sert le nationalisme européen, et pourquoi il n'a jamais su intégrer les Juifs de manière pleine et entière, alors que les Juifs ne sont pas moins français, pas moins allemands que les Juifs, que les chrétiens. Là, ça signifie un rapport, et en tout cas une critique radicale de ce
que sont les nationalismes européens pour pouvoir réintégrer les Juifs en pleine citoyenneté. Il a fait un drôle de choix qui a consisté finalement à jeter les Juifs hors d'Europe, donc à confirmer l'idée qu'ils n'étaient pas européens. En soi, est quand même extraordinaire. Et donc, à les embarquer dans un projet colonial qui allait poursuivre la domination d'autres peuples. Là, en l'occurrence, c'était les Palestiniens, ça aurait pu être d'autres peuples. L'important, ce n'est pas qui a été colonisé, c'est le fait colonial en tant que tel. Eh bien oui, donc, de ce point de vue-là, et donc pourquoi je dis qu'il faut fusiller Sartre, comme je le rappelle dans le livre, fusiller Sartre, c'est une revendication de l'extrême droite, à l'époque où Sartre a pris fait et cause pour l'Algérie. Je la reprends à mon compte d'un point de vue décolonial. Pour moi, Sartre, aujourd'hui, il est en quelque sorte emblématique. C'est une métaphore de la gauche, des gauches européennes, c'est-à-dire des limites des gauches européennes. Je ne pense pas strictement à la question du sionisme, du coup, parce que moi, là j'ai parlé de l'angle mort de Sartre qui consistait à sauver l'âme de l'homme blanc et son humanisme. Quand je l'utilise comme métaphore de la gauche, eh bien, c'est effectivement, je crois, j'ai le sentiment que toutes les gauches européennes, quasiment, de manière hégémonique, consistent toujours à sauver quelque chose du monde européen et de l'Occident. C'est-à-dire qu'on le voit par rapport à l'islamophobie, on le voit par rapport à la question, la manière dont on analyse et on combat l'antisémitisme des quartiers, on le voit dans toutes les limites concernant l'anti-impérialisme, concernant les crimes policiers en France. Bref, on a le sentiment qu'il y a toujours une volonté de sauver quelque chose de cet Occident dont on pense, si on le pense comme un phénomène mortifère pour le reste du monde. Je pense qu'il n'y a rien à sauver de l'Occident, ce qui signifie pas qu'il n'y a rien à sauver des peuples européens. Donc on fait la différence entre l'Occident comme projet hégémonique et impérialiste, et les peuples européens dont on espère qu'on saura politiquement trouver des manières de converger qui, à la fois, se prononcent radicalement contre l'impérialisme, contre le racisme structurel des États-nations, et qui remettent aussi en question les États-nations en tant que telles. Donc, dans ce premier chapitre sur Sartre, tu parles aussi déjà un peu de nous, de notre, en quelque sorte, de notre haine de nous, du fait qu'on doit d'abord s'aimer, nous. Est-ce que cette manière de toujours essayer d'excuser l'Occident, quand on est occidental, c'est une manière de nous empêcher? Est-ce que c'est ça qui nous empêche de nous aimer? Ce problème qu'on a à ne pas nous aimer, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Parce que c'est ici, d'abord, il faut nous aimer. Alors d'abord, je ne sais pas si les Blancs, de manière générale, savent que nous, on ne s'aime pas. Ça, je ne sais pas. Moi, je sais que nous, on le sait. Je sais qu'on l'exprime. Mais je ne sais pas si c'est su. Or, j'affirme qu'effectivement, nous ne nous aimons pas. C'est-à-dire qu'on a nécessairement une haine de nous-mêmes qui s'exprime de 1 milliard de manières différentes. Et je pense qu'il est impossible d'envisager une libération quelconque si d'abord on commence pas par s'aimer nous-mêmes. C'est-à-dire retrouver le respect de nous-mêmes. Alors d'où ça vient? Ça vient du racisme. Ça vient du racisme. Ça vient du fait que pendant 400 ans, tous les peuples colonisés ont été opprimés, ont été déshumanisés, on leur a volé leur humanité, on les a fait régresser dans l'échelle des hiérarchies humaines, tout simplement. Et donc ça, la haine de nous-mêmes, c'est un produit de cette histoire. On nous a dévalorisés et on a intégré la dévalorisation. Et c'est pour ça que j'utilise ici l'image, et la figure de Malcolm X, parce qu'il est pas... Il est la figure par excellence de la dignité. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucun compromis. Aucun. Alors évidemment, sa manière d'être avec les Blancs a évolué. Il a sûrement commencé par la haine des Blancs, sûrement, qui est parfois un passage obligé. Mais là où il est arrivé,
ça n'a jamais été la... Même cette haine-là, de toute façon, elle est sans pouvoir. Donc, il a la haine, bon, il a la haine, mais c'est pas une haine qui a le pouvoir de sa politique, au sens où quelqu'un qui n'a pas la bombe atomique, il peut haïr autant qu'il veut, ben, il peut haïr, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Ça n'a pas de conséquences. Ce qu'on appelle le racisme édenté, eh bien, il va sûrement commencer avec la haine des Blancs, ce qui est un passage normal, et il a fini avec l'amour de lui-même. Évidemment, l'amour de lui-même l'empêche de haïr, mais propose nécessairement une sortie par le haut, mais avec la condition sine qua non du respect de soi-même. Et le respect de soi-même, évidemment, pour l'instant, là, on en parle comme un mot, c'est pas un truc individuel. Moi, je peux commencer intellectuellement à m'aimer moi-même. Même l'amour de soi, c'est une politique. Même l'amour de soi, ça s'organise. C'est-à-dire qu'on doit s'aimer collectivement. Et s'aimer collectivement, ça veut dire aussi penser les moyens de notre libération, et ça passe nécessairement par un projet politique. C'est pas, j'en appelle pas à l'amour de soi individuel. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Ça doit passer par une prise de conscience individuelle, ça c'est normal, mais il faut savoir penser à la question des rapports de force, et ça me semble être un passage obligé, l'amour de nous-mêmes, l'amour de nos parents. J'explique qu'on a honte de nos parents. Moi, ça, je me suis reconnu là-dedans. Oui, je crois que nous, on se reconnaît. C'est-à-dire que c'est une expérience collective. On a eu honte de nos parents. Et ça, c'est une blessure terrible, d'avoir honte de ses parents. Ah ouais, c'est horrible. Récemment, j'ai un monsieur, je sais pas de quel, je crois qu'il était congolais, il est venu me voir lors d'une conférence comme celle-ci. Et il m'a dit d'avoir une fille métisse. Voilà. Donc il s'est marié avec une blanche, et il a une fille métisse, et il m'a dit « Aujourd'hui, avec l'expérience de ma fille, je n'aurais pas fait cette bêtise, entre guillemets, mais je crois pas que le fait d'être avec une blanche est une bêtise. » C'est simplement qu'on ne peut pas penser, dépasser les rapports structurels de racisme, simplement en se mariant avec des blancs, comme ça, voilà. Et donc, ce qu'il m'explique, c'est que sa fille, qui est bon, plus blanche que lui, a honte de lui. Donc quand elle le voit arriver, la chercher à l'école, elle a honte parce qu'il est plus noir qu'elle. Et elle est contente d'être plus blanche que lui. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. C'est un résultat du racisme. C'est le résultat du racisme. Et on ne va pas le résoudre avec des coups de baguette magique, simplement en se disant « ouais, le métissage est génial ». D'accord ? Donc, nous, on en appelle effectivement à comprendre l'aspect très structurel du racisme. Voilà. Je vais passer au chapitre suivant, donc c'est pour certains, vous les Blancs. Alors là, tu fais en quelques pages un tour, un état des lieux et en même temps un tour du monde des conséquences de la colonisation à travers le temps et la géographie. C'est incroyable, la colonisation, c'est pas. C'est justifié en partie par les Lumières, par civiliser les peuples. C'est toute l'Amérique, tout le continent américain, le Nord comme le Sud, l'Asie, jusqu'en Australie. Le cas des aborigènes en Australie, qui est une catastrophe. C'est un peuple en voie de disparition, quasi disparu en tant que tel. J'imagine que ça, je peux comprendre que les Blancs, ils doivent avoir du mal à l'entendre. Et c'est ce qui provoque sûrement la plupart de leurs réactions négatives. Enfin, on va passer après au chapitre sur les Juifs. Là aussi, ça provoque facilement des réactions négatives. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chapitre-là, sur les Blancs, sur ce qu'ils ont fait, sur ce que représente la démocratie ? Parce que beaucoup de gens critiquent ce que font nos gouvernants aujourd'hui en disant « c'est pas démocratique, la démocratie ça devrait être comme ça, ça devrait être le tirage au sort, ça devrait être plein d'autres solutions ». Mais en fait, c'est la démocratie. Ce sont des démocraties, il ne faut pas le nier, qui bombardent aujourd'hui partout au Moyen-Orient, qui dominent économiquement, qui répandent le néolibéralisme, le capitalisme partout. Ce sont des caractéristiques du monde colonial blanc, et c'est actuel. On dit souvent que la France, elle a passé un contentieux non réglé avec son passé colonial. Moi, je pense qu'elle n'a pas de passé colonial. La colonialité, c'est toujours son présent. Voilà, si tu peux nous dire quelques mots sur ce chapitre-là.
Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la démocratie, mais mon point de vue sur la question, c'est que je crois que la démocratie, c'est un compromis entre la classe ouvrière blanche et la bourgeoisie blanche, pour à la fois poursuivre le projet impérial et solidariser les classes ouvrières au projet impérial. Donc les solidariser des intérêts aussi de la bourgeoisie et de leurs propres intérêts, parce que les classes ouvrières européennes, elles n'existeraient pas sans l'exploitation du Sud. D'accord ? Et donc moi je crois que la démocratie c'est produit tout ça, c'est un compromis. Et comment faire en sorte que les peuples européens acceptent de poursuivre le projet impérial pour qu'ils y aient un intérêt ? L'intérêt, c'est la redistribution économique, c'est les congés payés, c'est la démocratie, c'est des droits politiques, c'est des droits syndicaux, etc. etc. Pas pour poursuivre, pour que le projet impérialiste puisse se poursuivre, il a fallu une grande base sociale. Voilà. Et donc, moi, je crois que c'est ça, la démocratie. Et donc, je crois que nous tous, nous inclus, parce que je dis quand même dans ce livre que je suis blanche. Je dis que je suis blanche, c'est-à-dire que c'est pas que je suis hors de ce système. On est tous complices de ce système. Et s'en sortir, c'est pas s'auto-flageller, ça sert à rien. C'est comment, dans un projet politique, prendre en compte les intérêts des peuples du Sud. Et donc penser dans l'anti-impérialisme d'une manière radicale. Et ça, évidemment, c'est un projet presque utopique. Enfin, je pense qu'il faut s'engager dans cette voie-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? On a entendu beaucoup de choses après. Enfin, c'est une chose que j'ai entendue avec laquelle moi j'étais pas d'accord après les attentats à Paris maintenant après les attentats à Bruxelles. C'est ce slogan qui dit, et c'est en lien avec la démocratie et notre complicité à tous, c'est ce slogan qui dit vos guerres, nos morts. Qu'est-ce que tu penses de ce slogan-là ? Est-ce que c'est pas nos guerres, nos morts ? En fait. Alors, comme je suis une militante politique et que je ne suis pas simplement dans l'abstraction, c'est-à-dire dans un projet abstrait qui consiste à toujours exiger le maximum des alliés politiques, je trouve que c'était mieux que rien. Voilà. Nos guerres, vos guerres, nos morts, c'est mieux que rien. Effectivement, ça a ses limites. Parce que j'aurais effectivement tendance à penser que c'est une manière d'externaliser la responsabilité, alors que ce sont effectivement nos guerres, parce que, à ma connaissance, en tout cas en France, il n'y a pas de mouvement anti-impérialiste, il n'y a pas de mouvement anti-guerre. Quand on fait des réunions pour contester les menées impérialistes françaises, que ce soit contre la Libye, en Syrie ou au Yémen, peu importe, on est 15 autour d'une table. Donc il n'y a pas de mouvement anti-impérialiste en France. Ce qui me laisse penser, qu'il y a un espèce de savoir, une responsabilité de la part du peuple, qui est qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout que le monde soit écrasé. L'essentiel, c'est que ça ne vient pas chez nous. Bon. Eh bien, donc c'est bien nos guerres. C'est pas simplement les guerres de Hollande. C'est nos guerres. Et est-ce que ce sont nos morts ? Ben nous, on meurt pas tellement. Voilà. C'est leurs morts. C'est les morts. Les autres morts, c'est les morts d'abord et avant tout des peuples qui vivent sous l'hégémonie impérialiste. Hein, c'est les morts du Congo, c'est les morts de Syrie, c'est les morts du Rwanda. Oui, d'ailleurs le. Donc, et ceux-là, ils se comptent par millions. Alors nous, ils commencent à se compter par dizaines. Bon. Et ils apparaissent tout de suite alors. Mais c'est ce que Alain Grèche appelle un nouvel équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'en fait, on a fermé les yeux pendant. D'abord. Des plusieurs centaines d'années, au moins 3 ou 4, et le projet impérial ne s'est jamais arrêté, il se poursuit, on a détruit l'Irak, d'accord ? Avant l'Irak, il n'y avait pas Daesh, par exemple, il n'y avait pas tous ces trucs-là, bon, leur apparition, elle est située dans le temps et dans l'espace, bon. Eh bien, aujourd'hui, on en paye les conséquences, mais on paye les conséquences de notre aveuglement, de notre indifférence, mais surtout de notre complicité. Bon, toujours sur le chapitre sur les Blancs, mais ça c'est juste une petite remarque, parce que je l'ai lu avant que ça m'arrive, mais tu dis à un moment que tu crains terriblement l'homme blanc,
et sa manie de tendre son bras droit en temps de crise aiguë. Et c'est ce qu'on a vu ici à la Bourse le 26 mars. Ça, c'était juste une remarque sur la partie prémonitoire de ton livre. C'était impressionnant de voir se matérialiser quelque chose qu'on a lu. La place de la Bourse ici, tout le monde la connaît, c'est un lieu symbolique. C'était un lieu symbolique de rassemblement démocratique de toutes sortes, militants, avant même les attentats, avant même que ça devienne un lieu de mémorial. Avant, on avait le droit de faire tous les vendredis quasiment un rassemblement pour la Palestine, etc. Et donc, c'était vraiment effrayant de voir ce groupe qui a été qualifié de hooligan, un peu violent, avec quelques gens d'extrême droite et tout ça. Enfin, on leur a trouvé plein d'excuses. On a refusé de les qualifier par ce qu'ils étaient. Plein de gens qui lèvent le bras comme ça, là, ça s'appelle un geste nazi dans tout ce qu'on a appris quoi, jusqu'ici. Et tout d'un coup, parce que ça nous concernait nous, alors c'était plus des nazis, c'était des hooligans, des fans de foot qui veulent le bien mais qui ne savent juste pas l'exprimer comme il faut. J'ai fini avec le plan. Mais il faut rajouter quand même que ce groupe de Ligan a été escorté. Oui, ça, la manière dont ça s'est passé. C'est un truc de dingue. Voilà. Ouais. C'est historique ce truc. Hein. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le signifier. Parce que, au même moment. Ils étaient de Villefort à Bruxelles par la police. Hein. Voilà. Ils étaient au courant que ça allait se passer, ça. Et donc, ils ont profité d'une petite escarmouche et tapé sur le premier noir qu'ils ont trouvé sur leur chemin. Et puis après, ça a dégénéré, et après, la police a fait semblant d'essayer de les refouler. Hein. Et elle en a profité pour arrêter des militants pacifistes qui étaient là pour commémorer les victimes. C'est un truc dégueulasse. Merci. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Je vais passer au chapitre sur les Juifs. Alors ça, c'est un sujet hyper sensible, évidemment. On le sait tous, à cause de la Shoah, on ne va pas tourner autour du pot. Tous étaient éduqués dans ça. Enfin, ici, en tout cas, on a tous lu Anne Frank, on a tous lu Le Sac de Billes, on a tous lu. Et ça nous touche, et c'est un génocide horrible. Le problème, c'est quand on dit que c'est pas le seul. Moi, j'ai partagé cet événement sur la page du groupe. Je suis à l'UNIF, j'étudie un peu à l'UNIF, et j'ai partagé ça. Et la première réaction que j'ai eue, elle n'était pas très longue, c'était juste. Raciste, juste parce qu'il y avait juif dans le titre, sur la couverture du bouquin que j'ai partagé et dont j'annonçais la présentation, c'était en mars à l'époque et on l'a reporté. Comment on fait avec ça quand on est. Je pense pas qu'il faut se défendre de ça. La seule défense que j'ai par rapport à ça, c'est que les juifs. Ce sont les Juifs d'Europe, la Shoah, comme tu l'as dit, ce sont des Européens qui ont tué des Européens. Quand on est décolonial, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, quand on est bienveillant, honnêtement, à mon sens, c'est-à-dire envers toute l'humanité, et pas seulement quand des Blancs sont massacrés, comment on fait pour répondre à ça, enfin, à part tenir ce message-là, mais les gens ne l'entendent pas. Dès qu'il y a Juif, qui vient de la bouche d'un arabe, alors c'est qu'il est antisémite. Tu pourras sûrement en dire plus sur ce chapitre-là, qui est aussi bienveillant, hein, comme ton livre fait. Provoque beaucoup de réactions, comme si c'était un livre dangereux ou agressif, alors que sa finalité, une politique de l'amour révolutionnaire, c'est bienveillant. Comment on fait avec ça, avec cette difficulté? D'avoir des gens en face qui ont l'air d'entendre le contraire de ce qu'on dit, en fait. Alors, le titre, effectivement, on l'a reproché. D'abord, à mon avis, surtout parce qu'il y a les catégories blancs et juifs. Et juif, alors vraiment, c'est le mot explosif, par définition. Comme je l'ai dit, moi, je refuse d'être prisonnière de l'expérience... européenne, l'expérience politique européenne, celle des Blancs, et le rapport qu'ils ont, eux, aux Juifs, c'est pas mon rapport. Et moi, je refuse d'avoir peur d'utiliser le mot juif.
Il y a un truc là qui est de l'ordre du terrorisme intellectuel qui est insupportable. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est en rupture avec la blanchité, et être en rupture avec la blanchité, c'est précisément s'autoriser à dire des choses qu'ils ne veulent pas qu'on dise, notamment le mot juif. C'est-à-dire que déjà, il faut déjà pouvoir dire que le mot juif, en tant que tel, c'est juste un mot. Voilà. La manière dont on va traiter la question, elle peut être effectivement antisémite, comme elle peut ne pas l'être du tout. Voilà, ou comme elle peut être tout à fait neutre. Enfin, je veux dire, il y a mille et une manières d'appréhender la question juive, et je ne suis pas, et je refuse d'être prisonnière de la manière dont les Blancs ont décidé de traiter cette question. Et vraiment, il y a déjà en premier la question du mot. Avoir la liberté de dire le mot. Bon, voilà, ça c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il devient urgent de mettre les choses à plat. Il y a une relation triangulaire entre les Blancs, les Juifs et le sujet postcolonial, parce que nous, c'est le sujet postcolonial. D'accord ? Une relation triangulaire, si on veut s'en sortir, encore faut-il savoir l'analyser, encore faut-il avoir le courage d'en parler et de le dire. On n'a pas, nous, le même rapport aux Blancs et aux Juifs. Pour un tas de raisons. Il y a le rapport Blanc-Juif, qui est une chose, et puis il y a le rapport nous et les Juifs, c'en est une autre, et puis il y a le rapport nous et les Juifs quand les Blancs sont dedans. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je crois que notre relation, en tout cas, historique aux Juifs, elle s'est dégradée. Elle s'est vraiment dégradée. Et l'une des expressions de la dégradation ultime, c'est Mohamed Merah qui va tuer des enfants juifs. Ça, c'est l'expression ultime. Mais là, il faut s'y attarder. Donc moi, je regarde ça, je suis une indigène. C'est un indigène qui a tué des enfants juifs. C'est pire que tuer des juifs. C'est des enfants juifs. C'est-à-dire que le mec, il a complètement, je veux dire, il est dans un rapport où il a complètement perdu toute forme d'humanité, même à tel point que même des juifs, des enfants, ça ne le touche plus. Donc là, c'est vraiment pour moi le stade ultime. Il y a un problème très grave qui me touche. Pourquoi ? À cause du racisme. S'il n'y avait pas le lien racial entre moi et Mohamed Merah, je m'en foutrais. Sauf que nous tous, nous savons que quand un arabe, quand on est noir, peu importe, commet un crime à l'autre bout de la planète, c'est à cause de nous. On est d'accord ? On est tous embarqués dans le crime d'un seul arabe ou d'un seul noir. Le 11 septembre, on est bien d'accord que c'est à cause de nous tous. On est tous, quelque part, complices du 11 septembre, bien que nous sachions que ça n'est absolument pas le cas et que les raisons du 11 septembre, elles ont tout à voir avec l'impérialisme plutôt qu'avec nous. Et peu importe. Donc, je me dois de réfléchir à ce que signifie l'acte de Mohamed Merah par rapport aux enfants juifs. Et je remonte le fil. Je remonte le fil, et le fil, c'est pas de chose. C'est Sartre, déjà. C'est la bonne conscience blanche. C'est déjà ça. C'est le rapport, c'est la manière dont le colonialisme a détruit nos rapports avec les juifs en Algérie et au Maghreb. Comment il a fait des juifs des blancs. C'est comment aujourd'hui l'État philosémite, qui n'a toujours pas intégré les juifs dans la blanchité pleine et entière, comment il instrumentalise les juifs contre les arabes musulmans. C'est comment cet État poursuit sa politique pro-sioniste. C'est comment cet État discrimine lourdement les musulmans et les noirs en France, et comment il feint d'aimer, ou en tout cas il surjoue son amour pour les juifs, constamment et publiquement. Tout ça, c'est sa bonne conscience blanche. Eh bien, tout ça, ça produit un Mohamed Merah. Alors, on est bien d'accord que ce processus qui produit Mohamed Merah n'a strictement rien à voir ni avec l'islam, ni avec l'arabité, ni avec quoi que ce soit. On n'est pas dans un rapport culturel, c'est bien un processus politique qui conduit Mohamed Merah à ça. Donc, il s'agit de le dire. Il faut bien qu'on se soigne de ça. Et on se soigne en faisant les bonnes analyses politiques et surtout en essayant de réfléchir sur comment, avec la catégorie juive, quelle est la manière dont on va se retrouver. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se donne les moyens de se retrouver. Nos conditions, effectivement, et c'est ce que je dis, que l'amour révolutionnaire, ça a un prix, c'est pas gratuit. L'amour révolutionnaire, s'il s'agit de la relation juif et sujet postcoloniaux, ben, il s'agit de réfléchir à la question du sionisme, parce qu'il est hors de question de notre point de vue si on est réellement anticolonialiste et si on a du respect pour l'humanité, mais vraiment au sens le plus abstrait du terme.
et qu'on comprend la question palestinienne de ce point de vue-là, on peut pas. Il est évident que les juifs doivent se défaire du sionisme, ceux qui le sont. Ceux qui ne le sont pas, ils doivent le faire savoir. Ils doivent le faire savoir de manière la plus forte possible. Ils doivent, les juifs doivent reprocher à l'État de les discriminer positivement. L'État n'a pas à aimer ou à détester les juifs. L'amour de l'État pour les juifs, pour moi, il est même dangereux. Moi, si j'étais juif, je m'inquiéterais. Je m'inquiéterais vraiment, parce que je crois que cet amour-là, il est extrêmement suspect. Et que en tout cas, il est suspect, d'autant plus qu'en France, on voit bien qu'au niveau populaire, l'antisémitisme n'a pas du tout disparu. Et que quand on va dans les bistrots et qu'on écoute un peu ce qui se dit ça et là, il n'est pas rare d'entendre parler du complot juif. Voilà. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, même, il doit y avoir une conscience juive politique révolutionnaire décoloniale, avec laquelle, effectivement, on va construire les fameux ponts. Parce que les ponts, c'est toujours pareil, tout le monde veut construire des ponts, mais sur quelle base, on ne sait jamais, c'est jamais défini, les ponts. Les ponts, c'est en réalité, nous, accepter tout sans condition. Nous, on doit s'aplatir, on doit tout accepter, c'est ça, les ponts. Bon, nous, on dit que c'est pas ça, un pont. Un pont, quand on fait un pont, des deux côtés de la rive, on doit être au même niveau. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on construit un pont, mais sinon, on ne construit pas de pont. Donc là, c'est mon propos sur les juifs, encore une fois, le refus d'être prisonnière de la bonne conscience blanche. Ce qui te vaut, très rapidement, on l'a déjà dit, d'accusation d'antisémitisme, encore une fois, moi, c'est une remarque le plus à la fois étonnante et éclairante que j'ai eue d'une amie qui a lu ce bouquin, c'est qu'elle m'a dit, elle est blanche, et elle m'a dit que... En lisant ton bouquin, et particulièrement le chapitre sur les juifs, ça l'avait rendu moins antisémite. Donc, alors, le suivant, c'est. Là, c'est plus compliqué pour moi, c'est les femmes indigènes. Tu utilises une expression, c'est page 72, où tu dis. Donc, tu appartiens à ta famille, etc. Mais. Lorsque tu te marieras, Inch'Allah, tu diras Anachet ou Nashet. Alors tu seras à ton mari. Est-ce que tu peux m'expliquer cette expression? Parce que même si je parle un petit peu l'arabe, je ne comprends pas ce que je veux dire. J'aurais préféré que tu ne me poses pas cette question. D'abord, la question de l'appartenance à sa race, à sa famille. Alors, évidemment, j'utilise des mots un peu comme ça, là. J'appartiens à ma race. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'amour de soi. Je disais que pour mieux appartenir aux autres, encore faut-il s'appartenir à soi-même, c'est-à-dire appartenir à son groupe. Mais un groupe qui a été humilié historiquement. D'accord ? Donc, notre réaction collective qui consiste à ce fameux repli sur nous-mêmes, c'est. En fait, on veut sauver ce qui reste. D'ailleurs, on a perdu beaucoup, mais ce qui reste, on veut le garder. C'est pour ça, à mon avis, c'est comme ça que moi je comprends l'attachement aux traditions, l'attachement à l'islam, l'attachement à la famille. On ne veut pas se dissoudre dans une société qui, en plus, qu'est-ce qu'elle nous propose, à part l'atomisation en tant qu'individu, pas grand-chose. Comme d'ailleurs, c'est la proposition qui est faite aux Blancs eux-mêmes. Hein, je veux dire, c'est pas un peu, sauf qu'on voit bien que, par exemple, en France, le système républicain, il s'attaque terriblement à la famille arabo-musulmane. Voilà. Donc, quand je dis j'appartiens à ma race, ma famille, j'appartiens, je lui appartiens, et j'endosse tout ce qui est considéré comme pourri, quoi. J'endosse aussi ce qui n'est pas bien chez nous. Mais je l'endosse. Je l'accepte d'abord dans un premier temps. Après, si on veut faire le ménage chez nous, c'est notre problème. Mais je tiens à affirmer que j'appartiens d'abord à ce corps social-là. Je lui appartiens d'abord, mais ce qui est en fait une appartenance politique, qui revient à dire que c'est aussi une appartenance politique, parce que moi, dans ma vie, dans ma vraie vie, je vis pas avec ma famille. D'accord. C'est pas que je vis avec ma famille, avec une tribu, c'est pas ça. On est d'accord, je vis comme une Française, en vérité. Et je suis déjà dans le processus d'intégration, très fortement, hein, d'accord. Mais pour autant, mon affirmation, elle est volontariste, elle est politique. C'est une manière de dire il faut aller vers plus de préservation du collectif. C'est ça que je dis. C'est parfaitement cohérent avec le reste du discours des indigènes de la République.
où en fait, merci, et c'est ce qu'on vous et nous reproche, c'est qu'on nous qualifie de telle sorte, on nous traite comme des indigènes, on nous qualifie d'arabes, on nous qualifie de musulmans, avec tout un tas de caractéristiques qui seraient liées. Et c'est pas une impression, c'est ce que je constate. À partir du moment où nous, on se qualifie comme ça et où on agit en tant que tel, ça devient un problème. C'est encore un problème avec... c'est jamais bon, en fait. C'est jamais bon. Alors, tu peux nous dire peut-être encore quelques mots là-dessus, sur le fait que, à partir du moment où on se qualifie de la manière dont on nous qualifie, on doit se taire. Et on peut juste être... ils ont le monopole de tout. On n'a pas le droit à la parole, en fait, ni en tant que racisé, en tant qu'intégré, en tant que reconnu comme égal aux blancs, on ne l'est jamais non plus. Il y a toujours une limite. Je ne sais pas si c'est une vraie question, en fait, c'est juste un constat. Et ce que tu dis dans le livre est en fait cohérent avec le constat que vous faites depuis 10 ans et que ce que vous dites depuis 10 ans. Quoi. Je sais pas. Non, mais je voulais juste simplement dire que c'est les effets des injonctions paradoxales. Donc il y a l'injonction qui consiste à dire intégrez-vous, et l'autre injonction qui dit vous ne serez jamais blanc. Donc effectivement, on est systématiquement renvoyé à notre catégorie d'indigène, et lorsqu'on se déclare indigène, on dit mais bon, comment osez-vous vous déclarer indigène? Alors qu'en fait, nous, on vous offre la citoyenneté. D'accord? Donc nous, effectivement, on essaye d'échapper aux injonctions paradoxales. Quand on se dit indigène, c'est évidemment pour mieux, pour le constater, mais pour s'en libérer. Donc on sort en même temps du paradigme citoyenniste. Et du coup, ça nous permet de réfléchir à la question de la libération de l'indigène, non pas à travers la citoyenneté, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était aussi un piège, puisqu'il s'agit d'une intégration dans l'État-nation, mais qu'il s'agit pour nous de repenser, c'est une identité qu'il faut construire à partir de structures et d'institutions qui, elles, ne sont plus des structures de l'État-nation et de l'impérialisme. Et ça, c'est en ça que c'est un projet révolutionnaire, dont je pense qu'il est utopique, évidemment, parce que c'est... Ouais, c'est loin. C'est loin. Pour rester sur les femmes indigènes, tu décris une place qu'elles ont assez particulière dans le regard des Blancs. Donc et moi, je suis indigène, mais je ne suis pas une femme. Je lis, je comprends ce que tu dis. J'observe ça chez mes sœurs, chez mes vraies, enfin mes sœurs directes et chez mes sœurs indirectes. Si tu peux nous dire un mot de... toi, tu es une femme indigène, tu as écrit là-dessus, donc tu peux nous donner un mot sur cette place de femme féministe, sûrement, mais pas féministe comme les féministes blanches, dans le monde blanc, dans le discours, dans les pratiques du monde blanc, et des féministes blanches en particulier. Donc, vous avez un rôle qui vous est attribué par les hommes, qui dominent tout, les hommes blancs, mais vous êtes aussi attaqué par... les féministes blanches, qui elles sont censées défendre les droits de toutes les femmes, mais elles ont aussi un problème avec les femmes indigènes, surtout si elles se disent féministes. Alors je vais commencer par remettre en question quelque chose que tu as dit. Tu as dit, moi je suis un homme indigène, toi tu es une femme, tu avais l'air de dire que tu n'avais pas un droit de regard sur cette question. Alors moi déjà, contrairement à ce que propose le féminisme blanc, je pense que les hommes indigènes ont à dire, et ils doivent parler. Parce que femme blanche, c'est femme blanche, et femme indigène, c'est femme indigène. Et dans la relation raciale, l'homme indigène est aussi racialisé. C'est-à-dire que lui aussi, il est le genre masculin indigène a lui-même, est lui-même attaqué. Et en cela, ça produit des rapports dialectiques avec les femmes indigènes. Donc c'est pas possible de dire qu'en fait, c'est à nous les femmes de réfléchir sur cette question-là, on a tout intérêt à... Je ne dis pas qu'il faut réfléchir ensemble, je ne sais pas s'il faut réfléchir ensemble, je ne sais pas s'il faut réfléchir dans les mêmes espaces, je ne sais pas s'il faut que les hommes indigènes aient leur propre espace pour réfléchir sur ces questions-là. Toutes ces choses-là, je m'en fous pas mal. Mais interdire aux hommes indigènes de parler des rapports hommes-femmes liés à la question coloniale, je trouve ça... En tout cas, moi, je m'y oppose. Je ne crois pas qu'il faille suivre...
en tout cas les propositions du féminisme blanc sur il n'y a que les femmes blanches qui peuvent parler de ce qui, touche la condition des femmes blanches. C'est sûrement vrai pour elles, et il s'agit d'une expérience sociale et politique qui est la leur, et historique qui est la leur, c'est pas la nôtre. Et nous, on va réfléchir en fonction de notre condition spécifique. Et on est liés, toi et moi, dans cette condition. On est liés. Voilà. Et le fait que l'impérialisme, et en tout cas le colonialisme et le racisme, est mis à mal ta masculinité, ça a des incidences sur moi, mais ça a des incidences sur le corps social indigène de manière générale. Donc il y a une réflexion, c'est ce que je dis dans le bouquin, il y a une réflexion sur la masculinité indigène à avoir. Indigènes, c'est nous les indigènes. Là, j'ai retenu une phrase qui... j'ai encore du mal à la lire. Donc, t'es à l'école, t'es petite, et la prof dit Ouria, c'est pas parce qu'elle est bien habillée qu'elle est propre. C'est un truc... Donc, j'ai entendu des remarques comme ça aussi, petit, et c'est un fait, enfin ça marque à vie, ça marque à vie, et tu vois que t'es différente, et pour toujours. Donc ça, c'est le genre de truc, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est d'être indigène, c'est un exemple marquant de... C'est un petit enfant blanc, il va jamais subir ça. On nous fait comprendre tout, très vite, et pour longtemps que... qu'on est différent. Tu parles... donc les indigènes, on existe quand même. En France, là c'est plutôt en France, ici en Belgique c'est un peu différent, mais en France, tu parles dans ce chapitre-là de la marche pour l'égalité de 1983. On est descendu, on est déshumanisé. On est rabaissé au regard de tous. C'est très difficile de s'organiser politiquement, c'est très difficile de se réunir, c'est très difficile de faire du collectif. Mais même quand on y arrive, massivement, ça marche pas. C'est récupéré, le pouvoir blanc, encore une fois, récupère le truc. C'est... Comment on fait avec ça? À part continuer à se battre en permanence, et juste, même en sachant qu'on va peut-être pas y arriver, comment sortir de l'indigénat, voilà, comment sortir de l'indigénat selon toi? Comment sortir de l'indigénat en militant au Parti des indigènes de la République? Moi, je considère que l'espace politique que nous, on a créé est un espace en soi de libération. Moi, je me sens libre à l'intérieur des indigènes de la République. Moi, je me sens libre. Je me sens libre et digne, il n'y a aucun problème. À l'extérieur, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on a une vraie existence politique, on est reconnu, on nous craint, on nous aime pas, on nous déteste, on nous admire, peu importe. En tout cas, on est là, on existe avec notre propre identité, avec notre propre travail, avec notre manière d'influencer le champ politique. Et pour moi, c'est ça la libération. Je ne peux pas donner une autre exemple de libération, parce que la libération sans les structures du racisme et de l'impérialisme, je ne la verrai pas de mon vivant. Donc je ne vivrai pas cette liberté-là, cette libération-là. Mais la libération politique, elle ne tient qu'à nous. Je veux dire, c'est à nous d'exister. Exister, c'est exister politiquement. J'ai aucune autre définition de ce que peut être la libération effective. Elle est dans la lutte, évidemment. Après, concernant la marge de l'égalité, bon là j'ai l'impression que tu vois le verre à moitié vide. Moi j'aurais tendance à voir à moitié plein. La marge de l'égalité a été récupérée, mais elle a existé, elle a laissé des traces. Il y a ces héritiers aujourd'hui. Quand on est apparu dans les années 80, ça a été un grand choc pour la France blanche. Et ça a été le moment de la prise de conscience que la France ne serait plus blanche. En tout cas, pas comme à l'époque des Fernandelles, en tout cas. Et donc, de ce point de vue-là, on a gagné beaucoup. On a vraiment, c'est un vrai moment politique historique.
qu'il ne peut pas, on ne peut pas lui demander la lune à cette marche. Mais elle a apporté ce qu'elle devait apporter. Et évidemment que ça aurait été trop simple de marcher et puis d'être libre. Non. On a marché et on va continuer à marcher. Et nous, on continue là à marcher. On marche. Voilà. Alors là, je reviendrai sur le dernier chapitre à la fin. Mais tu parles de la gauche qui est notre allié obligatoire, mais notre adversaire aujourd'hui. Parce que la droite, genre Valls, ça on n'en parle même pas. C'est des gens avec qui on ne peut même pas discuter. L'extrême gauche, tu donnes l'exemple de Bandung. Tu parles de Bandung dans ton livre. Je ne sais pas si les jeunes savent ce que c'est Bandung. Est-ce que tu peux, enfin, je peux dire en deux mots, c'est un mouvement des non-alignés. Je crois que la première réunion c'était à 58, c'est 55. 55. Donc c'était en pleine guerre froide. Et c'était non-aligné, donc pour être dans aucun des deux camps, ni capitaliste, ni communiste, pour faire les choses courtes. Est-ce que tu penses que. Donc c'était un mouvement décolonial aussi, enfin un projet décolonial. Est-ce que c'est ça le projet idéal qu'on devrait réussir à réaliser avec la gauche extrême, qui est à la fois éloignée, mais la plus proche de nous? Alors, Bandung, c'était d'abord des pays colonisés où on voit l'indépendance. Moi, je ne réfléchis pas à partir du Sud. Je ne suis pas dans le Sud. Je suis ici, je suis en Europe. Et c'est à partir du sujet postcolonial, c'est-à-dire de nous, des non-blancs dans le Nord, je pense. Ce que fera le Sud, il le fera. Nous, on doit faire notre travail ici. Nous, notre travail ici, et c'est pour ça que j'ai repris Bandung, c'est un Bandung du Nord. C'est-à-dire les indigènes des pays du Nord, donc, les racisés, enfin, les non-blancs du Nord, c'est une alliance de tous les indigènes des pays du Nord, de France, d'Espagne, d'Angleterre, des Pays-Bas, des États-Unis, pourquoi pas, pour un projet décolonial, anti-impérialiste, et qui réfléchit, et tu vois, qui se projette dans une politique d'alliance avec une partie de la gauche, des gauches européennes. Effectivement, là en l'occurrence, les gauches de gauche, c'est-à-dire les gauches radicales, bon, en France, je connais plus le terrain français, donc c'est effectivement penser l'alliance avec une partie de la gauche radicale, sachant qu'effectivement, on a aujourd'hui des alliés, mais ce sont toujours des minoritaires dans les gauches françaises, toujours. Eh bien, le but d'un Bandung des pays du Nord, c'est de créer un rapport de force, de créer une force indigène, une puissance indigène, donc une vraie existence politique dans les États-nations, mais au-delà des États-nations, donc au travers de l'ensemble des pays occidentaux, dans la perspective de décoloniser l'Europe, enfin, l'Europe ou l'Occident, peu importe. All power to the people. All power to the people. All power to the people. All power to the people.